avec le professeur Aziz Daouda, avec camarade président Bilal Bouhmid, avec Oussama Ben Abdallah, le producteur, avec Mr. Rebound qui vient d'arriver à Noir Alaoui. Bonjour. T'as toujours pas rempli ta salle. Elles sont où, et à la fédération, ils vont pas être contents parce qu'ils disent que les salles de basket sont pleines, elles sont pas vides. Alors, on arrive et, ça sonne le creux. J'ai eu effectivement la fédération qui me disait ça. Voilà. Alors, par hasard, vous êtes complaisant ce matin. Alors, comment on est complaisant? On va commencer par celle-ci, par exemple. Monsieur le maire, vous êtes très occupé par vos affaires. C'est un crime de vouloir diriger vos affaires au détriment des Casablancais. De point Khalidek. C'est signé Salah de Casablanca. J'ai pas très bien compris la question. Est-ce que je gère mes affaires au détriment de... C'est ce que semble dire cet auditeur. Je crois que c'est plutôt le contraire. Depuis que je suis élu et que j'ai la charge, la responsabilité au niveau de Casablanca, je n'ai pas mis les pieds dans mon bureau et je ne m'occupe plus absolument de mes affaires. Donc c'est complètement le contraire qui est arrivé, malheureusement. Alors, monsieur le maire, malheureusement, vous succombez, vous aussi, au pouvoir de l'argent. Projet immobilier anarchique sur le domaine maritime et espace vert. Signé Mehdi de Casa. Écoutez, il y a des projets effectivement importants qui se font sur Casablanca. On parle surtout du projet qui se font sur le littoral. Je pense que ce sont des projets qui sont portés aujourd'hui par des institutions à la fois publiques et privées. Ce sont des projets qui se font dans le respect des règles et des normes d'urbanisme. Je crois que ce sont des projets qui sont aussi porteurs de beaucoup de valeurs ajoutées pour la ville. Je veux parler notamment de la marina qui est en train de se faire aujourd'hui, qui est un procès colossal, qui est porté par une institution publique et qui va, à travers ces projets, réaliser un certain nombre d'infrastructures pour la ville. Alors, dommage, certains médias donnent la parole à des élus opposants qui n'ont pas le niveau primaire. S'il te plaît, Sajid, tiens bon. Eh ben, merci. Sidi Abdelmajid. Merci. Qu'en est-il de la criminalité, Mustapha de Casa? Vous savez que les prérogatives de police ne sont pas celles des conseils élus. Je sais que les pouvoirs de police à Casablanca font des efforts considérables, qu'ils essayent d'améliorer les aspects de sécurité au niveau de Casablanca. Je tiens à leur rendre hommage pour ce qu'ils font dans des conditions souvent pas très faciles. Ciao Lino, monsieur Sajid, parole. C'est signé Majid. Ça c'est un monsieur? Vous pensez que c'est parole? Non, j'ai compris que ce n'était pas ça. Qu'est-ce qu'il veut dire, pas parole? Ça veut dire que la nous parlons... Parole. Non, je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire des discours, et on n'est pas en train de faire des discours. Nous sommes en train de réaliser des projets concrets qui sont en train de devenir visibles au niveau de tous les Casablancais. Qui dérange même le quotidien des Casablancais. Oui. Alors, il y a Abdelkader de Rabat. Ça, c'est un rebâti, Abdelkader de Rabat, qui se permet de dire « Je crois que M. Sajid n'a pas une forte personnalité pour gérer Casa. Il lui faut une petite ville avec 1000 habitants. Et puis, de toute façon, ce n'est pas lui qui dirige. » C'est un rebâti qui dit ça. Ah, il veut nous le piquer, il veut le prendre à Rabat. C'est une émission de sport ou de politique? Les deux, mon commandant. Les trois. C'est Sylvie Saïd. Malheureusement, j'ai une remarque, Lino, si tu le permets. Oui. En ce moment, la tendance au Maroc, c'est ce que je remarque, à confondre démocratie et insulte. Oui. Parce que pour, honnêtement, en ce moment, c'est-à-dire... Tout le monde veut s'ériger en sauveur de la patrie. Si on doit recevoir M. le maire ou M. le commissaire ou M. le Wally ou M. On doit sortir les grosses battes de baseball. Quelqu'un qui a une fonction officielle, on doit être insultant, agressif, même si on ne dit rien, pour être apprécié. Et c'est ça... qui me rend malheureux, moi, parce qu'on peut être très pertinent et être poli. Tout simplement. Alors, mieux vaut bloquer des projets qui sont surévalués, où il y a des budgets qui dépassent largement la réalité. Demandez-lui de faire un audit. C'est signé Yahya. Vous savez, les projets, les grands projets que nous réalisons au niveau de Casablanca sont faits suite à des études très, très sérieuses, sont parfaitement contrôlés. Nous avons souvent des partenariats
avec un certain nombre de partenaires pour réaliser ces grands projets. Et on ne gère pas ce grand dossier à la légère. Je pense que tous les projets sont bien gérés, que bien sûr ils sont soumis à des contrôles et à des audits, et c'est tout à fait normal. Alors, quelqu'un qui me dit que ça fait 30 ans qu'on sollicite le nom d'une rue, un nom à notre rue. Alors, nous allons parler maintenant, si vous voulez bien, de stationnement, monsieur le maire. Alors, stationnement à Casablanca, ça c'est un problème, parce que ça, je peux vous le dire, parce que en bas de chez moi, il y a un exploitant privé de stationnement. Les places sont vides, personne ne prend le ticket, ou très peu prennent le ticket. Par contre, en deuxième position, il y a une file de voitures. Et quand toi, tu as pris ton abonnement, tu as un Macaron en tant que riverain, ben, c'est difficile. C'est-à-dire, soit tu vas au bout de la queue et là, tu entres. Troisième position, parfois, Lino. Non, ben, troisième position, c'est l'autre, parce que c'est l'autre côté. Tu fermes la rue. C'est l'autre côté. Alors, vous êtes quand même conscient de ça, que en fait, il y a. Alors, on me dit oui, mais attention, c'est du social parce qu'il y a le gardien privé qui est là. Mskin, c'était Diallo, c'était le fonds de commerce, c'était à lui. Et puis sont arrivés ces gens-là de l'étranger, Jaume Al-Khari, ils ont pris la rue, ils ont investi Zanga, hein, et puis ils ont pris tout le. Non, effectivement, le problème de stationnement est un des problèmes majeurs que nous avons à Casablanca. Nous souffrons d'un problème de circulation au niveau de Casablanca, ce qui est manifeste aujourd'hui. Alors, si on veut régler les problèmes de circulation, de fluidité de la circulation, il faut au préalable régler le problème du stationnement. Et on ne peut pas, dans une ville qui connaît une telle affluence, un tel effectif de véhicules aujourd'hui, ne pas gérer ce dossier d'une façon rationnelle, scientifique, et dépasser les systèmes de gestion qui étaient les nôtres il y a 30 ans ou 40 ans. Oui. Moi, je ne suis pas du tout contre les gardiens, bien au contraire. Il faut continuer à maintenir une possibilité de travail pour ces gens-là, mais il faut qu'ils s'organisent ou les organiser dans le cadre d'associations, peut-être, qui peuvent mieux gérer ce service de stationnement. Le stationnement est un service essentiel. C'est un secteur qui a besoin d'investissements considérables aujourd'hui. Si vous voulez aujourd'hui utiliser, faire des parkings en élévation, des silos, oui. En élévation, ou en souterrain, ce sont des investissements massifs qui nécessitent nécessairement. Alors comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a l'idée d'investir ? Je vais vous expliquer. Vous avez des parkings aujourd'hui, vous avez des gens qui ont pris l'initiative de réaliser un certain nombre de parkings. Je vais vous donner l'exemple de la Corniche, par exemple. Vous avez un parking qui a été fait quand on a construit le cinéma Mégarama, où il y a à peu près 800 places, mais qui est malheureusement toujours vide. Parce que les gens vont à l'autre parking en bas. Là. Non, parce que les gens préfèrent stationner devant leur porte, parce que les gens trouvent un gardien qui leur offre un service supplémentaire, qui leur prend les clés pour garer leur voiture, etc. Mais le Mégarama, c'est cher quand même. Non, et ça a doublé. C'est passé de 5 dirhams à 10 dirhams, sans aucun contrôle. C'est-à-dire, parfois même les augmentations au Maroc, on ne les comprend pas. On peut comprendre une augmentation de 10-15%, mais de double. Je trouve que c'est cher pour 5 dirhams, c'est 10 dirhams aujourd'hui. 5 dirhams l'heure. Aujourd'hui, c'est 10 dirhams. Ah non, attendez, je suis allé voir Chicorea, je suis resté 4 heures. Ouais. 4 fois 5, 20, j'ai payé 20 dirhams. Donc, c'est pas doublé. Hein. Ouais. C'est doublé. Bon, ok, ça fait, c'est un détail. C'est un privé. Hein, écoutez. On veut pas être populiste. Si c'était un parking communal, d'accord, mais c'est un parking privé. Il fait ce qu'il veut. Il a au moins le mérite d'investir dans un parking. Dans un pays où le SMIC est à 1800 dirhams. Oui. C'est pas du populisme, les gens n'ont pas de quoi payer 10 dirhams de parking. Alors messieurs, à côté, tu as un parking avançons, qu'est-ce que... Alors évidemment, qui dit stationnement, ça veut dire aussi trafic urbain. Trafic urbain, c'est lié aussi au transport urbain. Hein. Qu'est-ce qui fait que les Casablancais, on les oblige à prendre leur voiture tous les matins bon, ceux qui doivent accompagner les enfants encore à la rigueur, bon d'accord, mais les autres... Qu'est-ce qui fait qu'on les oblige à prendre leur propre voiture et beaucoup ne prennent pas les transports urbains? Ben justement, on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure sur le manque d'investissement dans le développement urbain et surtout dans les infrastructures de transport à Casablanca.
Medinabus, par exemple, est-ce que vous êtes satisfait hein, des prestations de Medinabus ? Moi, alors, en tant que Casablancais, quand je me souviens que je prenais le scolaire au Roche Noire, excusez-moi. Encore. Non, mais c'est vrai. On comprend mais pourquoi le ils bus, vont lui rendre hommage. Non, le bus sentait bon. Le chauffeur avait une chemise blanche, maculée. Donc, c'est ça. Donc, Effectivement, bon, Medinabus, c'est le gestionnaire qui a repris les services de gestion dans l'ancienne RATC, Extac, etc. RATC. Bon, là aussi, il faut relativiser et comparer ce qu'on peut comparer. Nous sommes arrivés en 2004, donc avec l'unification de la ville. À cette époque-là, la RATC, c'était un pack de 20 bus en circulation, avec un effectif du personnel de 2000 personnes, avec des dettes, un déficit... Sans par bus. Les bus étaient pleins au départ. Avec un déficit cumulé pendant ces dernières décennies qui dépassait le milliard de dirhams. C'était exactement la situation de la faillite. De toutes les régies. Donc là aussi, on a été obligé de recourir à un autre système. Donc on est passé par un système de gestion déléguée avec un contrat qu'on a préparé, avec des cahiers de charges, avec des investissements réalisés, avec l'obligation de reprendre tout le personnel qui existait dans l'ancienne régie, avec un certain nombre de contraintes, avec le maintien des tarifs qui soient à la portée des bourses des Casablancais, etc. Bon, tout ça a plus ou moins bien fonctionné. Pas tout à fait, bien sûr. Mais si vous prenez aujourd'hui le nombre de bus qui circulent sous la responsabilité de Medinabus, on est presque à 700. Aujourd'hui, on a un programme d'investissement qui est en train d'être réalisé, qui a pris un certain nombre de retards, mais ces derniers mois, nous avons une cadence de presque 40... Pratiquement, en fait, on n'a pas envie de monter dans ces bus, la plupart sont sales. Qu'est-ce que ça leur coûte de les laver le matin ? Moi, je sais qu'avant... Attends, dis ça, je bombe le torse, moi, qui viens de Rabat, parce que les bus de Rabat n'ont rien à comparer. Ah ben oui, mais regardez les bus ici, après, ils sont propres deux premières semaines, et après, on ne les lave plus, je crois. J'ai l'impression qu'on ne lave plus ces bus-là. Il ne faut pas oublier que les bus de Rabat, ils sont nouveaux. Mais ceux de la Medinabus, ceux qui arrivent ces derniers temps, aujourd'hui, on reçoit 40 bus neufs par mois depuis le mois d'octobre. Ouais. Aujourd'hui, il y a un effort d'investissement qui est fait. Tous les anciens bus vont être, retirés de la circulation. Ouais. Nous travaillons en perspective aussi de la réorganisation du réseau de bus. Il ne faut pas oublier que le système de bus, ce n'était pas uniquement la RATC, mais c'était aussi, on avait pris la décision de donner un certain nombre de concessionnaires privés la gestion. Ils l'ont fait plus compromis, ou moins. Comme disait Oussama. Ils l'ont fait aussi, ils ont rendu service dans le temps. Aujourd'hui, en 2004, on avait 20 concessionnaires qui se disputaient le marché du truc. Bien entendu, n'assuraient pas leurs véhicules, par exemple. Bien entendu, leur contrat précisait un certain nombre de lignes. Ils n'en respectaient qu'une partie. Ils ne couvraient que les lignes soi-disant rentables, commerciales, en délaissant. C'est des contrats ou des agréments ? C'est des contrats qui avaient été donnés. Je ne sais pas dans quelles conditions ils avaient.